Olivier, Maëlia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale LOL OMG série 2. Exactement. Donc, il en existe 4 et on en a bien sûr que 3 sur 4. T'es prête? Oui. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, nous avons ALT Girl. Je ne sais pas si ça se prononce comme ceci. ALT Girl. Voilà. Donc, nous allons aussi découvrir Candylicious. Et celle-ci, elle est vraiment très très belle avec ses couleurs pastel. Et nous avons aussi Miss Independent. J'ai même son chien. C'est vrai, t'as déjà son chien? Oui. D'accord. Alors Maëlia, tu veux commencer par ouvrir laquelle? Elle. Candylicious? Oui, Candylicious. Okay. Donc on va commencer par Candylicious. Alors regardez comment ça se présente au niveau du packaging. C'est pareil. Il suffit de tirer, donc déjà pour découvrir comment va se présenter la poupée. Regardez comme elle est magnifique celle-ci. Avec ses couleurs pastel, elle est vraiment trop belle. Et ensuite, on continue à tirer et on découvre la poupée. Waouh! Jolie soutien-gorge. Elle est belle hein, celle-là. On a ici sa petite sœur qui s'appelle Bonbon, il me semble. On a la poupée, des accessoires, on sort tout et on vous montre tout. Oui. Let's go. Let's go. Allez. Alors déjà, on remarque que au niveau du packaging, on peut le réutiliser pour jouer parce que c'est un véritable décor de bonbons. Voilà, il est décoré selon le style de la poupée et il est trop beau. Une couleur pastel. Il y avait des num-nums. Il y a des num-nums. Ici. Et il avait... Elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, elle s'appelle Lala Loupsy. Voilà, Lala Loupsy. En plus, c'est sur Netflix. Exactement. Donc, Maëlia connaît ce personnage de Netflix. On a deux sachets qui contiennent les vêtements de la poupée. On a aussi deux boîtes surprises avec les accessoires. Et on a aussi... Un petit magazine sur elle, qui parle sur elle. Voilà. Alors en anglais, Pisces, c'est le signe du poisson. Donc super, toutes les poupées LOL OMG ont leur petit magazine et on y découvre donc leur signe astrologique. Ah oui, j'ai oublié de dire, on a aussi un petit sachet comme ceci et une brosse. Alors on découvre le sac? Oui, c'est moi, je sais faire. Vas-y, vas-y. On découvre le petit sac tout mignon. Maëlia a découvert son sac, donc c'est un sac à dos en forme de... Nounours lapin. Voilà, moitié-moitié. Du coup, on va commencer par découvrir donc, les habits qui sont dans les petits sachets, tout mignons, toujours aux couleurs de la poupée. Hein, selon... Oh là là, elle est bien habillée celle-ci. Hein. Tout en couleur pastel et irisée aussi. Ouais. J'adore. Et d'ailleurs, on vous a pas montré la poupée de près. Là, on va faire un petit zoom sur la poupée aussi pour vous la montrer. Parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Hourra! Et on a eu aussi, bien sûr, un petit socle. Et voici notre jolie Candylicious habillée. Oui. Elle est vraiment très très jolie. J'adore. Moi aussi. C'est une de mes préférées. Moi aussi. On va pouvoir découvrir maintenant donc les accessoires. Tu prends quoi? Les chaussures. Les chaussures. Donc les chaussures sont à l'intérieur d'une petite boîte à chaussures. Et moi, j'ai une petite boîte ronde pour découvrir les accessoires. Oh là là, que c'est joli. Non, ça, le papier. C'est trop beau. Ouais. Donc on découvre les accessoires dans des petits papiers. Qui se ressemblent à des petits confettis. On dirait des petits confettis, vous savez, qu'on met sur les gâteaux. Trop beau. Et Maëlia découvre les chaussures. Elles sont vraiment trop belles aussi. On va continuer avec ALT Girl. Girl. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais girl. Enfin, voilà. Girl. Attends, c'est pas là. J'ai eu mal ouvert. Donc voilà comment elle se présente celle-ci. Alors voici comment se présente ALT Girl dans son coffret. Elle est vraiment très mignonne aussi. Et voici sa petite sœur.
Ok, donc pareil, on a ici à côté les accessoires avec les vêtements et tout. Et le petit magazine. Alors celle-ci, c'est une rockeuse. Hein? Elle adore la musique. Ouais. Alors voici comment se présente ALT Girl. Donc elle a les cheveux jaunes et noirs. Elle est très jolie. On va vous montrer de plus près sa tenue. On va maintenant découvrir donc les deux autres vêtements qu'elle a dans les petits sachets. Et les accessoires qui sont à l'intérieur des boîtes. Et son sac aussi. Alors Maëlia découvre le sac de la poupée. C'est un sac à main carré qui peut s'ouvrir. Et moi je découvre sa petite veste. Donc les vêtements, vous l'avez vu, viennent avec les cintres. Alors Maëlia a découvert une petite robe en vinyle noir. Elle a des lunettes, des bijoux, des boucles d'oreilles. Et Maëlia découvre ses chaussures. Elles sont belles, de jolies bottes noires. Et voici ALT Girl qui est toute habillée. Donc on vous la montre de plus près avec les détails, les boucles d'oreilles, les lunettes, le petit collier, le sac, la petite robe noire là par-dessus sa tenue du début. Les petites chaussures qu'on a eu du mal à enfoncer jusqu'au bout à cause des chaussettes. Mais bon, en forçant un peu, on devrait y arriver. ALT Girl et Sagittaire. Alors c'est parti, il nous reste à déballer la toute dernière. Donc c'est Miss Indépendante. Oui. Elle est super belle, elle aussi je l'aime beaucoup. Alors on va découvrir son dessin là. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ensuite on la découvre pour de bon. Et voilà. Elle est toute mignonne aussi. On aime beaucoup ses cheveux bleus. Et voici sa petite sœur. Alors voici l'intérieur de sa boîte. Vous voyez, donc Miss Indépendante, c'est une petite starlette. Elle a sa chaise comme les stars d'Hollywood. Regardez sa coiffure. Elle a des petites tresses sur le devant avec un petit chignon. Et du coup, voilà, elle a les cheveux bleus comme vous le voyez. Et je trouve que ça lui va trop bien. Eh oui. Et elle a son petit chien. C'est un chien ou un chat? C'est un petit chat. Son petit chat. Trop mignon. Et du coup, voilà, quand on la découvre, elle a sa petite tenue. Donc c'est un maillot, on dirait. Oui. Ouais, un maillot. Une manucure blanche. Super. Et un joli maquillage tout pailleté. Et notre Miss Indépendante est taureau. Allez, on va découvrir donc les vêtements et les accessoires. Oui. Alors c'est vraiment pailleté. Hein? Oui. Elle, c'est vraiment la starlette, la miss et tout. Donc moi, je découvre un petit short en jean avec une espèce de... Une cape toute pailletée. Très et jolie. Couleurs. Et Maëlia, toi tu as eu... Le haut. Le haut aussi pailleté. C'est vraiment un haut de soirée trop joli. Elle a de jolies bottes blanches et dorées. Et voici Miss Indépendante toute habillée, donc avec les accessoires, les boucles d'oreilles, le collier. On l'a habillée avec les vêtements supplémentaires. Donc vous voyez le petit short trop mignon, la cape. Enfin c'est une moitié de jupe on va dire. On n'a que l'arrière. Et les jolies bottes. Et elle a aussi une paire de lunettes.